Depuis 10 ans, nous avons construit une société nouvelle, dans un seul objectif, s'approcher le plus possible de la meilleure méritocratie qui soit. Bien entendu, d'autres vous diront que nous nous rapprochons d'une dictature. Mais voyez-vous, notre généralissime a permis pour la première fois à notre jeunesse de réussir. À 23 ans, je suis devenu gouverneur régional. Avec la corruption, je n'aurais jamais pu le devenir. Car celle-ci, voyez-vous, a toujours mené le monde à la catastrophe. L'histoire nous l'a bien montré. Les peuples se sont toujours soulevés contre celle-ci. Malheureusement, avec des régimes qui ont été autrefois le nazisme et le communisme. Ou encore, elle a permis à la prolifération des mafias qui ont financé le terrorisme, ce qui a conduit à la guerre civile que nous avons malheureusement connue. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fier de fêter les 10 ans de la première République méritocratique de France, qui a permis de rétablir la stabilité et la sécurité en France, tout en mettant un point final à la corruption. Écoute Yannick, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Oui, car il faut mettre un terme à tout ça. Et je suis prêt à prendre tous les risques pour. Mais pour ça, j'ai besoin de ton soutien. La liberté est en train de mourir sous nos yeux. Bien sûr, mais est-ce que ce secrétaire d'État est de notre côté? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Votre aide, pour mettre un terme à ce régime. Si je comprends bien, vous attendez de moi un acte de trahison? Je sais, mais je sais aussi que vous partagez nos valeurs pour la liberté. Et je vous demande juste de choisir à trahir entre votre devoir ou votre morale. Ou penser à cette compensation. Vous savez ce qu'ils font, corrompus? Oui, je sais. C'est un gros risque pour vous. Je vous demande juste de me faire rentrer au conseil régional, lors de la cérémonie du gouverneur mercredi prochain, où se trouvera le généralissime. Ce jour est historique. Il marque la fin d'un ancien monde. Il y a 14 ans, lorsque la peste noire du XXIe siècle ravageait l'Europe, un homme s'est dressé devant elle pour la stopper, créant ainsi une société meilleure. Cet homme avait également déterminé il y a bien longtemps la principale cause qui avait mené à la montée grandissante du terrorisme et de la crise économique. Cette cause était la corruption. Et je dis était, car aujourd'hui, en ce jour, je peux vous affirmer que nous en sommes définitivement débarrassés. Vive notre généralissime! Ça part du primaire, pas en maternelle. Moi j'ai une chose à vous dire. Primaire, on peut. Ok, là c'est bien. Primaire, c'est encore des gosses. En maternelle, on les gosses. En fait, c'est surtout. Comment c'est les enfants? Mais excusez. Où est-il? Qui ça? Tu sais très bien, le généralissime. Je ne comprendrai jamais. Pourquoi vouloir éliminer un homme qui a redressé le pays et permis le plus grand progrès que notre nation ait jamais connu? Arrête. Un homme providentiel, justifiant ses 10 années de pouvoir sur le seul problème de la corruption. Ça a toujours été un mensonge. La corruption a toujours été omniprésente. Pour preuve, j'ai réussi à corrompre un dignitaire du régime. Tout votre soi-disant combat n'aura servi à rien. Tu en as l'air vraiment sûr. Et en ce qui concerne tes amis et ennemis de la nation, il est déjà trop tard. Notre généralissime, notre général, celui qui nous a tout appris quand nous étions à l'armée, cette guidée quand nous étions perdus, qui nous a appris que le seul vrai mérite était de réussir grâce à la détermination et la volonté, et certainement pas avec toute cette corruption. On veut assimiler notre réussite à une dictature, car bien souvent le fait d'honorer un homme qui a redressé le pays, ou encore le respect strict des lois, est forcément assimilé à une dictature. Nous voyons malheureusement les choses qu'à travers l'image que l'on s'en fait. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Vous reposez tout ce que vous avez fait sur votre combat contre la corruption, en corrompant ta propre morale. Mais je me souviens d'un frère d'armes autrefois, pour qui la liberté individuelle était le bien suprême de ce monde. Mais apparemment, je me suis trompé.